Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer un élément très très important dans notre vie. Tout simplement pour vous dire, dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Voilà, je m'explique. Rappelons-nous de Motorola, Nokia, Alcatel, BlackBerry. Ces grosses sociétés qui ont meublé qui ont meublé les années 90, comme ça, les années 90, 2000, avant 2010, voilà, oui, qui avaient, d'un point de vue, acquis le marché, puisqu'ils étaient les pionniers du marché de la téléphonie. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Tout simplement pour conclure en disant que dans la vie, rien n'est acquis, les gars. Rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours continuer de travailler, continuer de se poser des questions, continuer de se remettre en question. Voilà. Et très bien lorsque le CEO de Binance fait cette étude, parce qu'il est là, il vient comme ça essayer d'inculquer une autre façon de voir les choses, une autre vision. Voilà, il vient comme ça inculquer sa manière de voir les choses, ça aime. Et là, ça impulse comme ça le dynamisme dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, alors, nous allons lire cela ensemble. Il dit ici, je cite, quand les gens disent qu'ils n'aiment pas quelque chose, mais qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Vous savez que c'est bien? Donc les gars, je vous invite à relire encore ce post aussi, voilà, à relire encore ce post aussi, à vous poser des bonnes questions, voilà, ou à essayer de décortiquer cela, ou essayer d'analyser cela un soir, tant peu, voilà, essayez vous-même, et vous me dites en commentaire. Quel est votre ressenti après ce post ici? Quel est votre ressenti, les gars? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette cas de figure, dans cette situation, dans ce cas de figure, autant pour moi. Donc, de toute façon, j'attends vos commentaires, les gars. Donc, c'était tout pour pour ce post, donc pour cette publication, parce que je ne veux pas être très très long. C'est juste une information en passant comme ça. Voilà. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous êtes comme ça connectés sur la chaîne Entrepreneur 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets intéressants, des projets émergents, qui sera toujours au centre de vos attentes. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de metaverse, nous parlons de ça, d'NFT. D'ailleurs, j'avais déjà réalisé auparavant, je crois, quelques vidéos pour vous montrer comment générer et vous faire de l'argent sur les marketplaces avec vos NFT. Voilà, donc certaines personnes ont saisi l'opportunité des NFT et ils se font énormément d'argent. Voilà. Et en titre de rappel, notre disclaimer, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Voilà, nous ne sommes pas là pour inciter quiconque à investir dans l'écosystème des crypto-monnaies, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, donc et chaque personne est responsable de ses investissements, de ses engagements. Voilà, donc si vous faites quelque chose, ça vous engage à 100%. Donc, ceci, je vais terminer sur cette publication en remerciant tous nos followers de par le monde entier, ceux qui nous suivent de par le monde entier. Merci encore à tous ceux qui effectuent des dons ce matin. Encore des dons, encore. Je remercie encore infiniment. Voilà, ça ne cesse de tomber every day, every time. Des dons, surtout en tronc. Depuis un bon bout de temps, la plupart des dons qui arrivent sont en tronc. Merci encore à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci encore à vous, à ceux qui likent, à ceux qui partagent. Voilà. Et vous savez très très bien que le but principal de cette chaîne est de créer une communauté de milliardaires et de millionnaires. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a, il 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 y a un cadre. Voilà. Il y a un cadre dans lequel la chaîne se fixe. Voilà. Celle d'éduquer, de former, d'informer. Voilà. Les uns les autres. Car nous sommes sûrs. Nous sommes convaincus que ce n'est pas ce moyen-là, ce n'est pas la formation, ce n'est pas l'information que nous allons pouvoir atteindre nos différents objectifs, celle d'être milliardaire et millionnaire. Et cela sera possible. Voilà, moi j'y crois. Voilà, moi j'y crois. J'ai foi en ça. Voilà. Bon, tant mieux pour ceux qui ne croient pas. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.